Mais à quoi donc peut bien penser David Millar quelques minutes seulement avant le départ de cette étape longue de 181 km? Au mont des Avaloirs qu'il faudra franchir à 5 reprises en fin de journée ou n'est-ce simplement que pour profiter du beau soleil angevin et de ses 21 degrés? Et le peloton allait-il vouloir flâner? Pas vraiment, c'est à la vitesse soutenue qu'il quitte le Maine-et-Loire. Un peloton de 95 unités après l'abandon du Sartois, Jimmy Engoulevent, suite à sa chute de la veille. L'échappée du jour se dessine au kilomètre 10. On retrouve David Zabriski du team Garmin et le Canadien Svein Tuft du team SpeederTech. Les deux hommes collaborent et comptent 7 minutes d'avance au kilomètre 60. Pas de quoi inquiéter, semble-t-il, cependant, Daniele Benatti, le leader de l'épreuve, confortablement installé au milieu du peloton. L'écart se stabilise aux environs des 6 minutes au moment du ravitaillement à 80 km de l'arrivée. Le peloton se décide enfin à réagir et l'écart fond alors rapidement. 2 minutes 30 seulement d'avance pour les fuyards avant d'entrer sur le circuit final. Le mont des Avaloirs sera bel et bien le juge de paix de cette étape. Tuft tente de résister, mais il sent le souffle du peloton derrière lui. Benatti décroche petit à petit, alors qu'à l'avant, un groupe de 6 vient de se former avec notamment Thomas Voeckler et David Millar. Et c'est au final Anthony Roux qui s'impose devant Federico, Cadri, Voeckler, Bougondi et Millar. Anthony Roux, déjà vainqueur ici même à Prampaille en 2009. Ça fait du plaisir, surtout que j'ai eu des gros problèmes de santé. Et ça fait du bien, quoi. Toujours la première de l'année, ça fait du bien de gagner. Ouais. Anthony Roux fait coup double et endosse donc le maillot de leader. On sait maintenant à quoi pensait David Millar, seul sur son banc le matin, ce même maillot jaune qui lui échappe pour 9 petites secondes. Ce vendredi, dernière étape, Le Mans, Bonnétable, 166 km 700.